Je suis Déo Egorodé, écrivain kanak de Nouvelle-Calédonie. Je fais mes signatures sur le stand océanique qui regroupe à la fois la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Donc devant là, sur la table, il y a plusieurs de mes ouvrages. Mais celui que je dois présenter ici, c'est mon dernier, qui est un roman, Graines de pain colonnaire, qui est un roman, je dirais, polyphonique, qui raconte l'histoire de femmes à un moment crucial de leur vie où elles sont malades ou bien elles sont en confrontation avec la mort. Et j'ai choisi donc de raconter l'histoire de ces femmes que je compare donc dans le titre aux graines de pain colonnaire, parce que le pain colonnaire représente chez les Kanaks le symbole de l'homme. Et donc et comme le cocotier représente la femme. Et l'homme, parce que le pain colonnaire est très haut, là-haut, il domine. Et donc les graines, nous les femmes, donc on est représentées dans ce roman par la graine de pain colonnaire qui va et qui en fait reproduit, parce que c'est très symbolique aussi, ce sont les femmes qui assurent donc la production, la reproduction de l'humanité depuis que le monde est monde. Et j'ai voulu montrer aussi leur attitude face à la mort, comme je disais tout à l'heure, qui est une attitude très digne. Et où elles se racontent, elles profitent aussi de se raconter parce qu'elles sont ensemble. Et en fait, la narratrice de toutes ces histoires, de toutes ces graines de pain colonnaire, c'est une jeune qui travaille dans la com, qui est chargée, on va dire, de raconter l'histoire de ces femmes. Elle est encore devant une caméra. Nous, avec d'autres écrivains de l'outre-mer, parce qu'on est ici aussi à un point de rencontre. Et c'est très, très important pour nous, où en Nouvelle-Calédonie, la littérature est seulement en émergence. Et donc nous commençons quoi, à écrire. Nous sommes des gens, nous les Kanaks, de tradition orale. Et en ce moment, nous sommes en train de passer de l'oralité à l'écriture. Ça, c'est L'Épave, mon premier roman, ici. Le vol de la parole, je l'ai écrit donc avec M. Weniko Yagé. Donc, comme je vous disais, nous sommes une civilisation de l'oralité, de la parole. Et les nouvelles, c'est un recueil de nouvelles autour de la parole, ici. Ceci écrit encore sur la parole. C'est le produit d'un atelier d'écriture qu'on a fait avec les élèves du lycée Antoine Kella, pour aussi leur transmettre le goût de l'écriture. Dire le vrai, c'est un recueil de poèmes que nous avons écrit en 1997 lors d'un déplacement dans les universités australiennes avec l'écrivain Nicolas Kurtovitch. Ici, c'est un essai, on va dire, sur la citoyenneté que nous sommes en train de construire dans notre pays. Voilà.